Et il vient, Idriss. Actuellement, les Ivoiriens t'attendent au tournant. Donc, il y a longévité de ton pouvoir au sein de la FIFA là. Dépend des joueurs, des éléphants, de cette sélection de Côte d'Ivoire. Ça y est, ta durée, oh, ta durée de ton pouvoir au sein de cette CAF, au sein, pardon, de la FIFA là, dépend de ces joueurs. J'avais déjà parlé de ça au préalable. Parce que ça te mentit, on ne sent pas la green card, la gnaque dans ces petits-là. Ils sont là, isolés, les enfants-là ont peur. Voyez un peu. Moi, je suis étonné, même que Côte d'Ivoire gagne Guinée-Bissau. Je suis étonné. Oui, je suis étonné. Et franchement, ça dit, nous, dans notre tête, spirituellement, on voit la Côte d'Ivoire remporter la coupe. Ça, c'est dans le spirituel. Mais physiquement, ce qui se passe là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Franchement, comme c'est le pays, c'est la Côte d'Ivoire, nous, on vous soutient. On vous demande pardon, les gars. Faites un effort. Faites un effort. Faites un effort. Hein? Les gars, faites un effort. Je vous demande pardon. Là, la santé fait un peu ma péricule manicule là, chez Starline. Voilà. C'est ici, il fait mes pieds. Voilà. Voilà, voici la jolie fille qui fait mon pied. Jolie femme Agni. Maman, tu es Agni ou tu es quoi? Ah, jolie femme Agni. Voilà. Donc, on est à Starline. Voilà, qui est situé derrière le supermarché Super U. Voilà, Angry Stadus, voilà. Immeuble signature, voilà. Donc, je suis en train de faire, c'est ici que je fais mes kessia. Donc, éléphant de Côte d'Ivoire, franchement, moi, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Maintenant, si vous n'avez pas confiance à vous, dites-nous, on va essayer de négocier avec Guinée équatoriale, ou même on va essayer de payer la bite, et puis on va sciencer, on va passer. Avec un modèle qu'on voit là, vous pensez mentir, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Voilà. Mais il y a fort. On reste toujours optimiste. Et découragement n'est pas ivoirien. Maintenant, quant à mes frères camerounais, le continent. Ah, le continent. Ah, vous êtes dégueulé. Vous avez dégueulé. Hey, Massa. Le Cameroun. Mon deuxième pays. Ça dit, il regarde comme ça, le Cameroun était si malmené, sorti de malmené, mon deuxième pays, il dit merde. C'est comment comme ça? Oh! Les gars, mon troisième pays aussi, c'est le Sénégal aussi. N'agadia fina de foule, c'est la cafoule. Hina de diof. Manger fait. Kai katama. Kai katama. Putain. Ça dit, le Sénégal gagne, il ne peut pas jubiler, le Cameroun perd aussi, il ne peut pas jubiler. Ça dit, si entre les deux, parce que j'aime vraiment ces pays-là. Oh, franchement. Ah, les Camerounais. Non, les Camerounais ne doivent pas sortir de cette canne-là. Parce que s'ils sortent aussi, la canne-là va dormir. C'est-à-dire, c'est là, zoin. Mais aussi, quand les Riyad, là aussi, les Riyad, leur point, là aussi, ce n'est même plus sûr pour eux. Ah, franchement, encore dans les calculs, encore. Quoi, tu vois aussi, calcul. Nous, on n'a pas droit à l'erreur. On gagne. Mais, Guinée équatoriale, qui est Guinée équatoriale, là. Et ils ont gagné Guinée-Bissau 4. Ils ont tenu le Nigeria en échec. C'est eux-mêmes qui ont manqué les premiers. Donc imaginez-vous, Guinée équatoriale contre Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous êtes sûr qu'on peut gagner cela? En tout cas, les femmes vous disent en même temps, ne jouez pas à nous. Ne jouez pas à nous. Ça veut dire vous-même dans votre propre pays. Équato Guinéen. Non, on peut pas être partout. Hein. Mais les Équato Guinéens ne peuvent pas nous gagner. Oui, c'est un pays frais, voilà. Mais eux-là, ils ne peuvent pas. Donc faites un effort, les gars. Ok? J'ai confiance. J'ai confiance. Quant à mes frères camerounais, Yako, venez, on va calculer ensemble. On se soutient mutuellement. Voilà, c'est sans bruit. On monte, on descend. Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est la famille. Sénégal, c'est toute là. C'est tout le monde, c'est la famille. Oui. Mais toi, tu te mécotes, tu te filtres, tu te mélanges. Tu viens maintenant chez moi, tu es pauvre. Maintenant, on est assis, on est en couple là. Maintenant, c'est là, tu as joué les coups. Voilà, c'est à la maison. Tu viens là, assis comme boum. Rien, tu viens même de près là. T'as pas de rendre ton genre, t'as gagné ton moro. Une mousse, c'est quand tu es derrière ton moro, même là, que tu dois te. Quand il disparaît, il réapparaît quoi dans la maison, t'es autre, tu t'es transformé. Le garçon est derrière mon mousseau, elle est toujours au choc. C'est quoi? Elle voulait trafiquer les gens. Diane, elle dit, ouais. Qu'est-ce qui est venu?
tu dois, hey, c'est là, là même que tu dois jouer tes vrais cartes. Parce que tu sais que le terrain est mauvais. Tu sais que le terrain est mauvais. Les périphériques sont tranchantes. Après, ça dépend de qui tu es. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes immatures, inconscients à la mort. Tu es avec lui. Là. Il est fan de toi, hein, mais sa tête encore dehors. Les périphériques de dehors, la coupe qu'elle. En t'attendant même la fille, là, tu sais que toi, femme comme toi, derrière comme toi, là, c'est versé même dans ton quartier. Tu sais, toi-même, femme, là, même là, quand tu es dans ton quartier, tu vois les périphériques de ton quartier, ton quai bas. Tu sais que mon mari, là. Non, si tu sais que tu n'as pas encore le mort, tu n'as pas encore le manquant. Tu sais que ton mari est le wele wele d'un malade. Eh, hey, tu connais. Faut être là. Faut marquer ton terrain. Et sinon, si tu as, hey, c'est mort. Au finish, on ne vous comprend plus, les gars. Si, nous, on nous comprend mieux que vous. Nous, on nous comprend mieux que vous. Moi, je vous explique ce que vous devez comprendre. Parce que vous êtes pressé, vous pensez que venir dans le foyer, c'est mettre en couple, là, c'est un jeu. On ne vient pas en couple parce que, maman, non, il y a beaucoup de choses.